La médecine a pris une ampleur considérable dans notre société, tout est médicalisé. Et François Laplantine, dont je parlerai tout à l'heure, disait que le médecin est encore plus religieux que la religion, parce que la religion, enfin, vous promet la vie éternelle dans l'au-delà, et le médecin, il vous promet la vie éternelle ici, ici-bas. Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, la médecine qui est très performante et donne beaucoup d'aspirations, elle est aussi, on lui ordonne de faire le camion balai, c'est-à-dire de supprimer tout ce qui gêne, les malades, les gens qui posent problème, etc. Donc elle a une fonction d'évacuation des dysfonctionnements. Et donc quand la médecine est malade, ça veut dire que la société est malade. Et on parlait tout à l'heure du burn-out, le fait que les soignants ne soient plus équilibrés, heureux dans leur métier, c'est un signe, c'est un symptôme d'une situation sociale d'une extrême gravité qui est encore maintenue, mais qui peut exploser très vite.